Salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy Lawson. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud patate. On se retrouve, alors comme vous l'avez vu sur l'intro, on se retrouve pour un match hommage, entre guillemets, avec une personne qui nous a quitté donc jeudi dernier. C'est Loulou Nicolin, qui était, après bon, je parle avec mes mots, qui était pour moi une figure emblématique du football. Comme disaient les journalistes aussi, c'était le dernier, enfin entre guillemets, créateur d'un club encore vivant. C'est lui qui a créé donc Montpellier Hérault Sporting Club, puisqu'avant Montpellier Hérault Sporting Club s'appelait La Paillade. Donc un match de 15 minutes au King Fahd Stadium. Ça va être le temps que je vais mettre pour les prochaines, pour les proches, les matchs de la saison prochaine. Donc, on va lancer le match. Donc, Montpellier contre le 15, mondial. C'est parti. Bonjour à vous tous, merci d'avoir choisi de suivre ce match avec nous, avec Pierre, bien sûr, Pierre Ménès. Comment? Bonjour Hervé, bonjour à tous qui, comme nous, espéraient voir enfin un bon match. Le stade international du Roi Fahd, King Fahd Stadium en anglais, très belle arène avec ses 67 000 personnes. Et trois clubs saoudiens sur le partage. On aura un œil sur James Rodriguez, le Colombien, très dangereux. Et lui, il avait explosé avec la Colombie en Coupe du Monde au Brésil. Donc ça va être le joueur à suivre. Ah, pour Voici la Montpellier. composition de l'équipe de Montpellier qui s'affiche. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français Bon, alors peu en importe, 2018. victoire, défaite, on s'en fout. On est là vraiment pour rendre hommage à Loulou Nicolin. On va lui accorder une petite minute de silence. Ce serait gentil de votre part. Quand je vous le dirai, bien On évidemment. découvre ensemble la composition de l'équipe. Alors tactiquement, Donc on se le joueur a retrouve donc pour choisi la minute de un silence. 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Donc après cette minute de silence, bien évidemment, hein, peut-être que je reprenne. La On réflexion que vous reprend. connaissez peut-être, il s'agit de monsieur Arcibaldo Pombal. Pombal. Portugais. Donc pour le match. Donc 2 x 15 minutes. Alors, Le match avec Montpellier démarre face à ce maintenant. 15 de légende, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour. Voilà. Certes, même si une victoire me ferait Bonne plaisir. récupération au milieu de terrain. Un bon ballon d'attaque. Ouais, bien vu ce son. Dybala. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Ça va être compliqué. Malheureusement, alors là, on se retrouve avec le match hommage. mais ce ballon est intercepté. Oh,
Tant pis. Penalty indiscutable. Mais donc là on se retrouve pour le match hommage à Loulou de Nicolas. Mercredi prochain on se retrouvera pour un match hommage avec à le Grand Diable entre le Real Madrid et les 15 de légende. Comme je sais que c'est un grand fan du Real Madrid. J'adore parce qu'il a pris son. Il a pris son élan à péter au schnock. Voilà, donc pour parler un peu de Loulou, donc c'était vraiment quelqu'un qui avait pas la. Voilà quoi, il disait ce qu'il pensait quoi, tout simplement. Donc c'était quelqu'un qui aura vraiment. Quitte à avoir des problèmes, il s'en foutait complètement, mais au moins lui disait ce que tout le monde pensait tout bas. Très bon péno. Voilà, le score qui est donc 1-0. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ouais, c'est bien donné ça. Avec un tir. Oh, oh pop, pop, pop. Ah, faute, l'arbitre qui doit déjà intervenir. Ah. Il semblait que j'avais fait une petite mimine, mais j'étais pas sûr. Ce but et qui a permis à l'équipe de prendre l'avantage. Ramos Rodriguez. Le ballon qui sort. Touche. Allez, dans le couloir. Il touche. Le ballon. Ouais, bonne intervention. Ballon en touche. Les 30 derniers mètres. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Allez, on change tout. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Oh putain, elle est pas sortie. Paolo Dybala. Rodriguez. Ah oui, cette fois c'est fait. Ricardo Rodriguez. Il s'est transformé en buteur. Le Suisse. Quelque chose dont on a l'habitude maintenant. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Il s'avance vers la surface. Ah, ce sera une touche après ce tacle impeccable. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Eh non, ça n'arrivera pas. Ah merde. C'est pas parti là où je voulais. C'est pas grave. Ah, c'est sorti, ce sera une touche. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, le centre. Dommage. Il ne trouve personne sur ce centre. Vous savez, même si je perds 15-0, mais que j'ai au moins l'occasion de mettre un petit but, je suis content, moi. Allez. C'est rentré dedans. Bah, y... Attention, ça peut être dangereux. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, je précise, on est samedi. 3-0. Donc on est samedi. Les funérailles de Loulou, Nicolin. Donc le jour où je poste cette vidéo, on est mercredi. Donc les obsèques de Louis Nicolin auront lieu, bah, ont eu lieu hier, tout simplement. Mais à l'heure où je vous parle, elles auront lieu, enfin, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais la vidéo, et au jour où je fais la vidéo, elles auront lieu mardi. C'est compliqué de s'y retrouver. Mais enfin, voilà, donc... Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement.
Allez, peut-être une bonne occasion. Et non, le tir qui est contré. Corner. Ah, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Allez, dégage, très loin. Attention à la frappe. Ah, dommage. Ah, le ballon qui est parti dans les tribunes. Et d'ailleurs, j'ai lu aussi, donc, aussi, pour ceux qui ne le savent pas, Montpellier se fait construire un nouveau stade. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Qui sort ouais, évidemment de la pouche de Loulou Nicolin, puisque comme il disait, il fait je gère mon club avec mes sous. Je gère mon club avec mes sous. Je vais pas demander à des trucs de crédit de me faire telle ou telle somme. Je fais tout épée de ma propre poche. Bonne bouse. Attention, il a du champ devant. Et ça, un président qui fait ça pour son club, c'est rare. Ils attendent une nouvelle. Ah, ils vont avoir une super occasion de marquer après cette faute. Il a été vraiment à fond dans son club. Il a été, il a tout fait vraiment pour ce club. Et après, tant mieux, on pense en titre de champion de France en. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. En 2012. Pour pouvoir relancer son équipe. Comme ça, au moins, il sera pas mort sans avoir vu aucun titre de son club. Sans aucun titre de champion de France de la part de son club. Il aurait vu qu'une Coupe de France, ça aurait été bien dommage. Il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, la frappe. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Corner à présent. Corner. Dommage. Elle a touché le ballon avec la main et l'arbitre l'a vu. Ah. Petite mimine. J'aurais peut-être dû. Après, ce que je souhaite vraiment pour Montpellier cette saison, c'est ce qu'a dit justement Vitorino Hilton, qui souhaite vraiment. Ils vont essayer de tout faire pour faire la meilleure saison possible, pour rendre hommage à Louis Nicolin. Donc ce serait vraiment pas mal. Ça circule bien. Tout ce qu'on peut leur souhaiter. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Voilà, carton ou pas pour cette faute. J'aurais peut-être dû désactiver les cartons et tout. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Enfin bref, tant pis. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. La frappe. Ah, oh, dommage. Pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Il y a toujours mieux à faire de toute façon. Ramos Rodriguez. On écarte le jeu. Oh, joli. Attention, ça peut être dangereux. Griezmann avec du soutien. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Oui, bien fait de la part de Ramos Rodriguez qui est passé. Oh. Et la voilà la frappe. Oh. Qui marque, c'est le but. On est d'accord pour dire que je me prends une branlée. Hein. A dominé une bonne partie du match et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Désormais, l'écart est très très net. Alors, encore un but, le score qui est déjà de 4-0.
Ouais, un bon ballon d'attaque. Wow, bien joué. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pas personne finalement. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Schweinsteiger choisit la frappe. Dévié par je sais pas qui. D'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Bah d'accord. Fabrias. C'était la tête du siècle. Les 30 derniers mètres. Oh là là. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Ah, je peux me prendre un 10-0 dans le match. C'est clair. Il s'avance vers la surface. Il arrive à centrer. Ouais, l'intention était bonne, mais il prend sa chance. Alors, je voulais, pour être honnête, je voulais faire une feinte de frappe. Il repasse par Fabregas. Bah, elle a pas marché. Je sais pas pourquoi. Il écarte le jeu pour Paolo Dybala. Il essaie de dire, ce sera une touche. Ça part bien, action dangereuse. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Et la passe. Attention à la 5-0. Ah, ils mettent ce but. Oh, c'est beau. C'est exceptionnel hein, ce qu'il est en train de faire. C'est après, faut dire ce qu'il y a. Le niveau est pas le même. Hein. Allez, ça fait 3 buts maintenant pour lui. Ah, d'un point de vue personnel, c'est évidemment magnifique ce qu'il est en train de réaliser. Le score qui est à présent de 5-0. 5-0. Un score qui illustre bien le déséquilibre de la partie. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. J'ai tenté. Il a eu chaud. Macari Sagna. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Il a choisi de centrer. Le défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre. Fabregas. Ouais, Fabregas qui a toutes les qualités d'un. Alors me demandez pas au niveau des transferts. Franchement, les transferts, c'est le cas de nos soucis pour ce match-là. Pas assez souvent, à mon goût. Il écarte vers. On n'est pas là de façon pour parler de transferts. Oh, l'occasion! Il centre vers Dybala. Alors, carton hors jeu. Ou pas carton. Non. J'ai pas compris pourquoi il a pas. Il a pas été directement. Merde. Ouais, elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Oh, dommage. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ouais, l'interception. Ouais, ça sort en touche. Merde, loupé. Juste le gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Danilo Pereira. Rodriguez. Il est dépossédé du ballon. Macari Sagna. Ah, il y aura des remplacements évidemment dans ce match. Hein. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Malheureusement, je n'ai pas pensé à mettre. Plus de remplacements que 3. Cette faute va lui valoir un avertissement. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Oh, le ballon dangereux!
Pas de souci pour le gardien. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Eh ben. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu est par contre, j'espère que dans FIFA 18, Griezmann n'aura pas les les cheveux bleus. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il est moche avec. Hein. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh, bien coupé là par le défenseur. Bastian Schweinsteiger. Avec Bertrand Bailly. Danilo Pereira. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Il laisse le jeu se poursuivre. Danilo Pereira. Ah ouais, la talonnade, bien joué. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Hop. Petit carton jaune. Est-ce que l'arbitre va sortir un jaune? Ah oui, jaune. Carton jaune. Ouais, là, il a grillé tous ses jokers. Comme ça, ça me permet de pouvoir tester un peu les le temps que je pourrais mettre pour FIFA 18 pour le championnat. Était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Oh. Il perd le ballon, l'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. Ah. Qui est blessé? Boudbouz. Mounier, tu recules d'un cran, Camara va te remplacer. On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Ah ouais, quand même, oh. Là, finalement, vol planète est fatal. Il y aura mal à terre pour reprendre le jeu. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Il y a un bouton qui a pas marché. Schweinsteiger. On s'approche de la zone de vérité. La bonne passe dans l'espace. Ah, papa, dans le... Je vais dire dans le trou. Non, c'est dans le dos, mais c'est pas grave. Hop. Danilo Pereira. Souleymane Camara. Oh, le caviar. Fabregas qui avait bien anticipé. Ouais, bien joué. Nice. Merci. La passe de Ramos Rodriguez, elle est interceptée. Allez, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps qui intervient sur ce score net et sans appel de 5-0. C'est parti pour la seconde période. Le changement, c'est maintenant. Matic rentre à la place de Schweinsteiger. Ils ont dominé la première période tranquillement. Hein. Grosse première. Et je trouve qu'on a bien fini quand même la première période. On s'est bien débrouillé. C'est pas pris de but. Plus d'opposition en face. Ouais, c'est Montpellier, gars. Faut pas t'attendre à Manchester ou je sais pas qui. Oh, personne pour arrêter Fabregas. Allez, qui va reprendre ce ballon. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une photo différente que vous voyez là de Loulou Nicolin. Ils vont le faire sortir la défense, hein, c'est pour clair. La seconde période. Désolé. Fabregas. Oh,
Attention, ça peut être dangereux. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ah, ce sera une touche après ce tacle impeccable. Allez, peut-être une bonne occasion. Là, ah, trop sur le gardien. Le dernier mot sur ce ballon. Ah, belle sortie. Matic. Danilo Pereira. Oh, c'est l'interception. Il s'avance vers la surface. Ah, le temps de faire la passe. C'est ce que Fabregas. Oula. Un centre contré. Ah, c'est contré, d'accord. C'est le défenseur. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Ouais, ah là là. Interception. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ouais, arbitrage à l'anglaise, il laisse jouer. Oh, fou, bruit. Attention à la frappe. Corner. Non, faute. Attention à ce coup franc qui sera bien placé. Le coup franc qui va être frappé. Corner. L'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner. Ouais, c'est bien taclé. Ouais, la frappe. Paolo Dybala, qu'est-ce que vous retenez de sa première période, Pierre? Excellente performance pour lui, évidemment, avec un triplé, et puis bah, évidemment son équipe mène. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi, il nous a régalé. Ils font tourner, ils prennent leur temps. L'équipe qui a attaqué, qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Rodriguez. Faute, ouais. Carton ou pas carton? Ah ouais, c'est le jaune, c'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Antoine Griezmann. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Ils attendent une ouverture dans la défense. C'est corner. Contré. Allez, corner. C'est la sortie de Griezmann. C'est une tête. Elton, la frappe. Pas de soucis, ah, le gardien qui a bien conservé ce ballon. Oui, ça circule bien, hein, construisent tranquillement. Souleymane Camara. Ah, ça ne passe pas. Ce sera une touche finalement. Ah, si je pouvais mettre ce petit but là, ce serait bien. Waouh. Oh, yes. Il m'a retenu par le maillot, j'y pas bien. Bah, y... bah, l'intervention, changement de possession. Choisis la frappe. Dommage. Attention, un tirage de maillot dans la surface. Une stat sur les corners qui s'affiche sur votre écran. Ouais, la belle tête. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus touche pendant. Demi-heure à jouer. Non,
Ouais, le touche pour nous. tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, ça passe loin, très loin du cadre. Faut avouer que c'était pourri. Cesc Fabrias. Ouais, un bon ballon d'attaque. La casette sur le côté. Bakary Seigna. Allez, qui va reprendre ce ballon. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Oh, la faute, il va y avoir un bon coup franc. Et cette stat hein, qui confirme bien que le jeu est assez haché, hein, c'est le sentiment qu'on avait. Hein. Oui, il y avait beaucoup trop de fautes. Et le corner, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix là. Ouais, ballon. Ah, c'est mauvais ça. L'adversaire s'est interposé. Attention, ça peut être dangereux. Il fallait dégager, hein, c'est bien. Le ballon qui file en touche. Je savais pas lequel prendre. Et le tir de la casette. Petit arrêt. Le gardien. Allez, bien s'appliquer. Bien s'appliquer sur ce corner. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, dommage. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Merde, j'aurais pensé à la touche, mais bon. Est encore présent sur cette intervention. J'ai encore un blessé, merde. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. Bonucci. Je sais pas trop quoi faire là. Ah, dommage. Qui est intercepté. On s'approche du but. Attention à la frappe. Le gardien qui se détend. Joli Geoffrey. Donc on ne peut pas changer. Encore un corner. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Cesc Fabrias. Est-ce ce ballon qui traîne? Ah! Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Allez, dans l'espace. La défense, le tir. Ah, le gardien qui gagne son duel. Je suis un peu dépassé par cette équipe. Hein. Et nouveau corner. La casette! Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. On ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, ben, bon, ça n'ira pas plus loin. Danilo Pereira. Ricardo Rodriguez. Attention, il a du champ devant lui. Et la voilà la frappe. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Le défenseur. Ouais, mais David, dommage. Ballon. Alexandre Lacazette. Paolo Dybala.
Peut-être une bonne opportunité, attention. Danilo Pereira. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Mais le gars, ah, dommage. Qui prend des risques incroyables, mais il est dingue. Bah non, s'il a envie de le faire, tu vas pas l'empêcher quand même. Il s'avance vers la surface. Ah non, finalement, ça a été intercepté. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Non, c'était pas ce que je voulais. Ça ne passe pas. Par l'attaque est stoppée. Par contre, il n'y en avait pas un qui était à moitié blessé. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, deux plagnes. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Il prend sa chance. Oh, elle était belle. Ça vient frôler la transversale. Elle était belle la frappe de Cessegnon. Cesc Fabregas. Bakary Seigna. Danilo Pereira. Oh là, c'est un petit peu la passe à 10 hein, en ce moment. Ouais, on sent les joueurs bien en place. Le porteur du ballon a toujours une solution. C'est bien huilé. Hein. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. On s'approche de la zone de vérité. Allez. Oh, c'est quoi ce geste? On peut le revoir? Regardez ça! Chut, hop là! Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Le centre pour la casette! C'est l'adversaire qui finalement a la récupération de ce centre. Je crois tout simplement qu'ils ont surtout hâte d'en finir. Ils ont été totalement dominés. Match vraiment difficile pour eux. Un bon ballon d'attaque. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Attention à la frappe. Oh, c'est contré ce tir. C'est le même Camara. Petit aveu d'impuissance. Hein, corner. Quand même, que cette frappe très lointaine. Allez, re-re-corner. Ouah, c'est pourri ça. Bien joué le gardien qui sait à quel point c'est compliqué de s'imposer sur ces ballons. C'est vrai. Bon, je vais pas sûr de mettre ce but, hein, tant pis. Les 30 derniers mètres. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Ouais, touche après un tacle impeccable, hein, soit dit en passant. Le long de la ligne de touche. Porsche. Ouais, excellente intervention, il récupère ce ballon. Les gars? Ah, la passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. Cesc Fabregas. Elle a peut-être une bonne occasion. Le tir. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. On s'approche du but. Ouais, le tacle. Dommage. Le ballon est perdu. Bakary Seigna.
Camara. Oh, c'est l'interception. Pas du tout ce que j'ai demandé. Le panneau du quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel à jouer. Les gars. Matic. Regardez techniquement comment ils sont. C'est un centre pour la casette. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah, il a senti le coup, c'est intercepté. Matic. Hop là. Ouais, peut-être une situation intéressante là. C'est vrai que quand tu joues Montpellier, que tu joues contre des joueurs contre ces stats là, tu peux rien faire quoi. Ah dommage. Je pensais que j'avais le ballon. Alexandre Lacazette. Allez, c'est fini. Et voilà, c'est terminé. Fin de la démonstration. Donc voilà les amis. C'est pas grave la correction. On a rendu hommage à Loulou Nicolas, on est content. C'est déjà ça. Dans ce grand stade. Et donc le match de mercredi prochain, donc entre le Real et l'équipe All-Star Légende, aura lieu à Bernabeu. Pour rendre hommage à Kylian. Bon bah voilà, 5-0, c'est pas démérité non plus, on a quand même bien défendu en seconde période. Donc voilà les amis, 5-0 c'est le score final pour le 15 mondial. On a quand même fait 19 tirs, c'est quand même pas mal. Bon, 8 cadrés, c'est pas énorme. C'est la moitié. Un peu moins de la moitié. Mais c'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouvera, bah donc comme je vous l'ai dit, pour un autre match, mercredi prochain. Pour l'hommage à Kylian. Je vous dis à la prochaine. Bye bye, et restez chou patate.